Bonsoir à tous et bienvenue. Patrick Hachy a déjeuné avec plusieurs dizaines de jeunes ce vendredi. Pendant plus de 2 heures, les échanges ont porté sur la formation, l'emploi, la citoyenneté ou encore l'entrepreneuriat. Une application pour lutter contre les faux médicaments anti-paludiques, c'est l'innovation d'une start-up allemande présentée ce vendredi. Elle pourra sauver la vie de milliers de personnes. Et puis l'humoriste en Kadoka annonce son 3e one-man show. Il était face à la presse aujourd'hui. Il promet un spectacle inédit et des fous rires garantis. Reconnaître les faux médicaments anti-paludiques, c'est ce que propose une start-up allemande à travers une application mobile. Elle a été présentée ce vendredi. Une bonne nouvelle pour des centaines de milliers de patients atteints de paludisme en Côte d'Ivoire, mais aussi pour le continent dans son ensemble. Yélie Traoré, Mathurin Badé. Permettre, avec un simple smartphone et une application, de vérifier l'authenticité d'un médicament afin de s'assurer qu'il n'est pas contrefait. C'est la solution offerte désormais par une start-up allemande opérant dans un certain nombre de pays africains. D'autant qu'au moins 64% des médicaments qui circulent dans certains pays en développement sont issus de contrefaçons. Nous avons une technologie qui permet à tout le monde de vérifier l'authenticité du médicament à partir de leur cellulaire. Pour vérifier l'authenticité, il suffit de scanner cette sceau numérique avec l'application authentique. Et quand vous scannez cette sceau numérique, l'information si le médicament est authentique ou pas est affichée sur l'application. L'équipe de l'entreprise, au terme d'un accord avec le gouvernement ivoirien, va lancer une phase pilote de sa technologie pour tracer et authentifier les médicaments antipaludiques. Permettra de sécuriser les médicaments et surtout de garantir à ce que nos populations accède à des médicaments pour lesquels l'origine est vérifiable et authentifiable. Cette solution de détection notamment de faux médicaments antipaludiques arrive à point nommé dans la mesure où les médicaments contrefaits de paludisme causent annuellement au moins 200 000 morts par an sur le continent. Le transport de colis, une activité lucrative qui a le vent en poupe dans la capitale économique, à la rencontre de ses acteurs, de leur motivation et des défis du secteur, dans ce reportage signé Brice Niawar et Mathurin Badé. Titulaire d'un diplôme supérieur en commerce, Massandjé Traoré a d'abord travaillé pour 2 entreprises de transit, avant d'être aujourd'hui la patronne de cette agence d'exportation de produits alimentaires et non périssables. J'avais déjà un carnet bien rempli de clients. Donc quand je suis venu, j'ai juste loué le magasin et puis contacté les clients. Ce matin, son premier client est Achille Djewo, un jeune homme qui sollicite très souvent ses services pour faire parvenir des produits à sa sœur résidente en France. L'huile rouge, par exemple, et le beurre de karité, eux, ils sont à 2000 francs. Parce que c'est des produits qu'il faut envoyer au laboratoire pour faire des analyses. J'ai l'habitude d'envoyer mes colis et puis ma sœur est satisfaite de la durée du temps que ça fait en route. Bon, ça m'a coûté 38 000, le tout. Chez Gomez Le Colis, son salon bien aménagé sert d'espace pour recevoir ses clients et pour le stockage de ses marchandises. On a essayé de négocier les prix pour pouvoir répondre aux besoins d'une certaine couche de la population qui était un peu mise en marge. En semaine, on peut faire un chiffre d'affaires tournant autour de 800 à 900 000 francs. Le conteneur de 40 pieds, vous allez pouvoir aller jusqu'à 28 tonnes. Mais moi, je m'arrête à 25 tonnes pour ne pas avoir de pénalité. 25 tonnes. Donc si on prend 25 tonnes sur la base de 350, ça fait quelque chose en toute franchise. Ça nourrit son nom. Cette femme d'affaires a dû se faire former avant de pratiquer cette activité. Ce qui n'est pas le cas pour Gomez Le Colis, encore moins pour cet autre entrepreneur qui a appris les rouages de ce métier sur le tas. Je pense que c'est une activité que tout le monde peut faire parce que dans l'entrepreneuriat, lorsque tu as la volonté, tu mets de la rigueur dans le travail que tu fais, tu peux y arriver. Le système groupé qui consiste pour ses prestataires à louer ensemble un même conteneur pour le transport de leurs marchandises reste le circuit commercial idéal pour ces chefs d'entreprise
qui n'ont pas toute la logistique requise pour cette activité en proie à plusieurs difficultés. Installées aujourd'hui dans presque tous les quartiers d'Abidjan, ces entreprises spécialisées dans le transport de colis facilitent la vie aux populations, autrefois obligées de se diriger vers quelques prestataires du secteur. Un service concurrentiel qui apporte une bouffée d'air dans les poches du consommateur et qui permet aux chefs d'entreprise de faire de bonnes affaires. Plusieurs dizaines de jeunes triés sur le volet ont déjeuné ce vendredi avec le Premier ministre Patrick Hachi. Au menu des échanges, formation, emploi, citoyenneté ou encore entrepreneuriat. Une rencontre que les jeunes espèrent régulière pour préparer la Côte d'Ivoire de demain. Pierre Dipomélin, Fulgence Kissiédou. Debout, manches retroussées, c'est un Premier ministre détendu qui reçoit les jeunes leaders de la société civile, politique et culturelle à un banquet. Un déjeuner qui s'inscrit dans le cadre de la série des rencontres initiées avec les champions nationaux. C'est donc des échanges informels, sans protocole, ponctués de selfies, qui ont permis aux chefs du gouvernement d'être au fait des réalités et des aspirations des jeunes. Je crois que ce genre de partage-là, finalement, nous enrichit mutuellement. Vous, d'abord, de mieux informer vos organisations, et nous, peut-être, d'orienter ou d'ajuster un certain nombre d'actions pour que ça atteigne l'objectif que nous souhaitons. Les jeunes issus des partis politiques et de la société civile apprécient la qualité des échanges et souhaitent que ces rencontres se perpétuent. Cette rencontre avec M. le Premier ministre, qui est la première du genre, c'est une très belle initiative parce que déjà, elle permet à nous autres jeunes de réellement connaître la vision que le gouvernement a pour cette jeunesse, la jeunesse de Côte d'Ivoire. Mais également, elle permet également de nous recentrer sur l'essentiel parce que l'essentiel, c'est aujourd'hui comment est-ce que nous puissions nous également apporter notre pierre à l'édifice pour la construction de cette Côte d'Ivoire, chère au président Alassane Ouattara. Le Premier ministre, pardon, nous a assuré de ce que nos problématiques donc, qui lui ont été soumises auront une attention particulière auprès de lui. Donc c'est déjà bon pour nous à prendre. Ensuite, on continuera comme d'habitude de faire nos plaidoyers. Plusieurs ont posé des problèmes qui touchent directement à la santé, à l'école. Mais nous, en tant qu'acteurs politiques, nous avons posé des problèmes politiques et avons souhaité que reprenne vivement le dialogue politique afin que le pays soit dans une stabilité rassurante pour un développement plus certain. Créer ce cadre d'échange et même vouloir le perpétuer, ça donne de l'espoir à la jeunesse que nous constituons aujourd'hui. C'était des échanges directs qui ont été émaillés de franchise, de sincérité et surtout d'espoir. Nous sommes donc rassurés sur l'ensemble des préoccupations qui ont été posées à l'occasion de ces échanges directs avec le Premier ministre. Nous avons posé le problème des jeunes qui sont incarcérés depuis les événements de 2020. Le Premier ministre a bien entendu notre message et nous espérons que dans les jours à venir, en accord avec le chef de l'État, les mesures seront prises pour que nos camarades sortent. La date qui vient d'être posée par le Premier ministre montre qu'il est véritablement un homme de terrain, montre que le gouvernement est préoccupé de par nos réalités. Donc nous pouvons être satisfaits et demander à l'occasion au Premier ministre, comme l'avons déjà fait, que ce type de rencontre-là continue. Les problématiques de l'emploi, de l'entrepreneuriat, de l'école, du civisme ont été essentiellement au cœur de ces échanges. Avant ces jeunes, le Premier ministre Patrick Hachi a déjà rencontré les secteurs du cinéma, de l'audiovisuel, la construction et la transformation des produits agricoles, notamment la noix de cajou. La quatrième édition de la caravane de l'entrepreneur initiée par la Fondation Keidan était dédiée cette année aux étudiants de l'INSAC. Hier, ils étaient nombreux à cette tribune où ils ont été exhortés à favoriser l'entrepreneuriat pour leur insertion professionnelle. Salif Yalekwe et Aruna Zeba. Artistes, développez votre potentiel d'entrepreneur. Tel était le thème de la quatrième édition de la caravane de l'entrepreneur organisée par la Fondation Keidan. Pour cette édition, de cette tribune des acteurs de la culture comme Asalfo, lead vocal de Magic System, premier responsable de Gao Productions, Franck Alcide Kakou d'Universal Music Africa, était face à ses étudiants en art issus de l'INSAC, l'Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle. Ils ont été exhortés à entreprendre sans oublier que ça ne sera pas sans obstacle. L'obstination et la patience. Il faut être patient, il faut accepter que ça n'arrivera pas du jour au lendemain. Quand bien même tu prends conscience que tu es un produit, quand bien même
Tu es sérieux, tu te formes, tu es curieux, tu vas à l'information, tu remplis tout ce qui y a à remplir. Ça n'arrivera pas du jour au lendemain. Le cadre environnemental, c'est nous qui créons ce cadre-là. Ce n'est pas les opportunités qui vont venir forcément nous permettre. Nous, on peut se créer des opportunités. Parce que souvent, les opportunités, vous les attendez et elles ne viennent pas. Donc, il faut se créer. Un partage d'expériences apprécié par les étudiants. On est obligé d'être entrepreneur. Je suis motivé par leur histoire, à travers ces difficultés-là. Donc, de savoir qu'ils ont eu les mêmes difficultés que nous, ça nous motive à nous transcender et à créer. Le commissaire général de cette quatrième édition, Gilles Alexandre Mdia, précise les objectifs de cette caravane. L'objectif principal de cette caravane étant de créer un cadre de réflexion et d'échange afin que l'artiste puisse s'approprier entièrement la culture entrepreneuriale pour l'éclosion d'une mission de Madame le Ministre, une véritable industrie artistique. La Fondation Kedan est une organisation à but non lucratif qui œuvre pour la promotion de la culture entrepreneuriale en Côte d'Ivoire. Les populations d'Abobo se plaignent d'une insalubrité persistante dans la commune. Elles mettent en cause les eaux de ruissellement qui mènent le bal dans certains quartiers d'où proviennent ces eaux. Que faire pour rendre la commune plus salubre? Le reportage de Karine Cassi. Ruissellement des eaux usées, air irrespirable, c'est le décor qu'offrent les rues de ce quartier d'Abobo. Ici, nous sommes à Belleville, ironie d'un nom qui contraste bien avec l'environnement proposé aux visiteurs. Le nom n'est pas conforme au quartier. Parce que non seulement dans les secteurs là où nous habitons, il y a les eaux de ruissellement. Dans les cours même, c'est vraiment difficile. L'accès est très difficile. Les causes de cette insalubrité sont multiples. Quand il pleut comme ça, il n'y a pas de canalisation, nos parents profitent de l'occasion d'ouvrir les WC, voilà, l'eau de déchets, pour que ça puisse passer. L'état de la route, là, nous, on ne comprend pas. Et c'est dû au fait que les poids lourds aussi passent régulièrement, on ne sait pas. Mais on n'a plus de voie. Surtout ces temps-ci où il pleut, on n'a même pas de voie. La route est impraticable. Quand tu sors, tu sors, tu as des bagages, tu viens emporter un taxi, il refuse même de te prendre. Pour mieux comprendre ce problème persistant dans ces quartiers défavorisés, le sous-directeur chargé du cadre de vie à la mairie d'Abobo donne les explications. Ces quartiers que vous avez visités sont de très vieux quartiers qui, à l'époque, ont été construits avant même que les lotissements s'y fassent. Et donc, c'est des zones où les ouvrages ont été construits souvent sans tenir compte des populations, du nombre de populations, n'est-ce pas, qui habitent ces cours. Du coup, même quand ils ont une fosse septique, la fosse septique, à un moment donné, ne peut plus contenir les eaux qui sont produites. Parce que le nombre de populations dépasse, n'est-ce pas, du coup, les prévisions qui ont été faites quand on construisait ces fosses-là. Pour changer les choses, les autorités municipales misent sur la sensibilisation. Il y a des mesures coercitives qui sont prises. Vous voyez, mais il faut passer par plusieurs étapes avant d'y arriver. Et aujourd'hui, la question, n'est-ce pas, de condamner ces personnes-là, ce n'est pas une question qui est pénale. Et donc, on n'arrive pas on ne peut pas interpeller quelqu'un parce qu'il a mis l'eau dans la rue. Donc, il faut passer par cette sensibilisation-là pour les amener à changer de comportement. Il y a une semaine, Kandia Camara, maire de la commune d'Abobo, est passé à une phase répressive. Plusieurs rues, obstruées, ont été dégagées par plus de 300 policiers municipaux. Et puis, de la culture à présent, avec cette conférence de presse aujourd'hui de l'humoriste en K2K. Il annonce son troisième one-man show et promet un show de folie cette année. Jean-Michel Quadio, Mathurin Badet. L'artiste humoriste L'Amiral, en K2K, sur la scène du Palais de la Culture, le 11 décembre prochain à Abidjan, pour un one-man show. L'information a été donnée par l'artiste ce vendredi. Pour ces deux heures de spectacle, en cas de cas veut faire plaisir à tous les Ivoiriens. L'artiste souhaite à son niveau hisser l'humour ivoirien. Dans ce pays, chaque jour quand on dort, c'est vrai, il y a tout un nouveau dossier. Ça qui est la vérité.
À un moment donné, il faut donner un rendez-vous à ceux qui te suivent, à ceux qui apprécient ton travail, de venir passer au moins des bons moments ensemble. Donc ça n'a rien de concept parce que tel humoriste a fait, ça n'a rien de tout ça. On aura des short time parce qu'il y a une idée centrale, c'est conçu, c'est organisé. Nous faisons une écriture du spectacle. C'est-à-dire que c'est un agencement un peu plus harmonisé que nous faisons à partir de l'idée centrale. Je vais vous expliquer. C'est le thème choisi pour ce troisième one-man show de l'artiste. L'actualité sociopolitique sera également parcourue à travers ce spectacle qui promet. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à tous et à toutes.